Ladies and gentlemen, please welcome introducing Frédéric Jocinet. Âge, ça commence à faire 35 ans. Je vais sur mes 36 ans au mois de décembre. 1m60, 50 kg, catégorie de poids moins de 48 kg. J'ai fait des études de sport, des brevets d'état, professeur de sport. Vice-championne olympique, 2 fois vice-championne du monde, 3 fois championne d'Europe et championne du monde par équipe à Paris. 4, 5, 6 titres individuels, au moins la même chose par équipe, plus des Coupes d'Europe avec mon club, plus quelques titres au tournoi de Paris. Occasionnellement pour fêter les médailles, mais aussi pour fêter les choses de la vie, les naissances, les mariages, des fois les divorces aussi, parce que des fois ça fait du bien. Je peux vous dire que j'ai fait aussi des belles fêtes de séparation et c'est paradoxal, mais des fois c'est drôle aussi, quoi. Déjà fait. Pas seul, mais déjà fait. Pas avec les amis de Koh-Lanta, enfin pour moi ça c'est fini. Je l'ai fait une fois à 6, voilà, c'était sympa, je me suis bien marrée, mais voilà, j'ai compris que pour moi une île déserte, c'était plus avec mes amis qu'avec mes pseudo-amis orchestrés par l'émission. Wow. Donc avec qui Avec ma meilleure amie. En fait, j'ai vraiment du mal à moi retenir des blagues, et en plus j'ai un entraîneur qui s'appelle Larbi Ben Boudaoud et qui nous en dit à peu près 3-4 par jour, tous les jours de la semaine, enfin 6 jours sur 7. Donc pour les retenir, c'est vraiment très compliqué, et en plus elles sont toutes meilleures les unes que les autres. Donc j'allais dire, j'ai pas une blague préférée, mais j'ai un blagueur préféré qui est Larbi. Un chien. Mon chien, parce qu'il s'appelle Rocco, parce qu'il est rigolo et qu'on partage plein de choses et qu'il lui manque la parole pour se faire comprendre. Une allumette pour allumer la flamme. Paris, parce que Paris, mon amour, parce que j'adore cette ville, parce que j'y suis née, parce que honnêtement, j'ai voyagé énormément. J'adore visiter encore Paris et qu'elle me surprend encore tous les jours. Caleçon ou pyjama ? Ni l'un ni l'autre. Yeah. Voilà. Alors, mon site préféré, c'est une application que j'ai créée, qui est sur les news judo arts martiaux. Et en même temps, avec une sous-application qui va être sur les futurs professeurs, enfin, destinés aux futurs professeurs et entraîneurs de judo. Voilà. Fredoun. Merde. Vraiment, quand j'arrive pas, limite, merde, fait chier, quoi. Ouais, c'est pas beau, hein.